Salut tout le monde, bon après-midi ou bonjour. Vous êtes avec Aïcha de l'âme, le sabre, on y va. Alors on va, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait notre cercle, on va commencer à faire notre cercle avec quelques chansons. Alors, bonjour les amis, comment ça va? Bonjour les amis, comment ça va? Ça va bien, ça va mal. Ça va comme si comme ça. Bonjour les amis, bonjour. J'espère que vous allez très bien à la maison. Alors, comme d'habitude, on fait plus, nous sommes ensemble. Chaque fois, je vous encourage à faire beaucoup de choses ensemble, jouer ensemble, avec les parents, avec vos amis, avec la famille. Alors, plus nous sommes ensemble, 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 plus nous sommes ensemble, plus heureux nous serons. Parce que tes amis sont mes amis et mes amis sont tes amis. Plus nous sommes ensemble, plus heureux nous serons. Merci. Alors, la prochaine chanson, c'est Si tu aimes le soleil. Aujourd'hui, il fait froid, mais il y a aussi du soleil. Et on attend toujours le soleil qui va venir bientôt au printemps. Ah, on va attendre. Si tu aimes le soleil, tape tes pieds. Si tu aimes le soleil, tape tes mains. Aimer le soleil, tape tes mains. Si tu aimes le soleil, le printemps qui sort. Si tu aimes le soleil, tape tes mains. Si tu aimes le soleil, tape tes pieds. Si tu aimes le soleil, tape tes pieds. Si tu aimes le soleil, le printemps qui sort. Si tu aimes le soleil, tape tes pieds. Aimer le soleil, crie hurra, hurra. Si tu aimes le soleil, crie hurra, hurra. Si tu aimes le soleil, le printemps qui se réveille. Si tu aimes le soleil, crie hurra, hurra. Si tu aimes le soleil, fais les trois. Hurra. Si tu aimes le soleil, fais les trois. Hurra. Si tu aimes le soleil. Le printemps qui se réveille, si tu aimes le soleil, fais les trois. Hourra! La prochaine chanson, mes amis, on va faire Les roues de l'autobus. Je sais que les enfants aiment bien beaucoup cette chanson, alors on va la chanter. L'autobus pleure, wah wah wah, wah wah wah, wah wah wah. Les bébés dans l'autobus pleurent, wah wah wah, partout dans la vie. Et quoi encore? Les parents dans l'autobus disent, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Les parents dans l'autobus disent, je vous aime, partout dans la vie. Les roues de l'autobus se tournent, 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 tournent.
autre chanson que les enfants demandent chaque fois, c'est tourne, tourne, petit moulin. Tourne, tourne, petit moulin. Tape, tape, petite main. Voler, voler, petit oiseau. Nager, nager, poisson dans l'eau. On va le faire encore, mais très vite. Petit moulin a bien tourné. Petite main en bien tapé. Petit oiseau a bien volé. Poisson dans l'eau a bien nagé. Merci les amis. Tournez petit moulin. Tapez, tapez, petite main. Volez, volez, petit oiseau. Nagez, nagez, poisson dans l'eau. On va le faire encore, mais très vite. Petit moulin a bien tourné. Petite main en bien tapé. Petit oiseau a bien volé. Poisson dans l'eau a bien nagé. Merci les amis. J'ai une chanson. Alors, la prochaine chanson, comme on a fait de la neige artificielle, on va à compter les 5 petits bonhommes qui sautent dans la neige. Et on va essayer de le chanter. On va essayer de chanter cette chanson. Alors, avant de le chanter, il faut compter. 1, 2, 3, 4, 5. 5 petits bonhommes sautent dans la neige. Un tombe et se cogne la tête. Maman perd le docteur dit, non, sautez plus dans la neige. 4 petits bonhommes sautent dans la neige. Un tombe et se cogne la tête. Maman appelle le docteur et le docteur dit, non, sautez plus dans la neige. 3 petits bonhommes sautent dans la neige. Un tombe et se cogne la tête. Maman appelle le docteur et le docteur dit, ne sautez plus dans la neige. 2 petits bonhommes sautent dans la neige. Un tombe et se cogne la tête. Maman appelle le docteur et le docteur dit, ne sautez plus dans la neige. Un petit bonhomme saute dans la neige. Il tombe et se cogne la tête. Maman appelle le docteur et le docteur dit, ne saute plus dans la neige. Merci les amis. Comme on continue de chanter et de compter, on va continuer de compter. Alors on va compter les doigts. Et on a compté 5 petits bonhommes de neige. Maintenant, on va compter nos 10 doigts. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, mes amis, cherchez et comptez 10 objets dans la maison. On commence. 1 doigt, 2 doigts. 3 petits doigts, 4 doigts, 5 doigts, 6 petits doigts, 7 doigts, 8 doigts, 9 petits doigts, j'ai 10 doigts sur mes deux mains. Je répète encore. 1 doigt, 2 doigts, 3 petits doigts, 4 doigts, 5 doigts, 6 petits doigts, 7 doigts, 8 doigts, 9 petits doigts, j'ai 10 doigts sur mes deux mains. Merci. Alors mes amis, après avoir compté les doigts, on va pratiquer les lettres d'alphabet. Restez avec moi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, I, V, W,
va aller à la ferme. La ferme de Mathieu. Dans la ferme de Mathurin, il y a, il y a, il y a, il y a des centaines de chevaux. Il y a, il y a, il y a, il y a des nains par-ci, il y a des nains par-là, il y a des nains, il y a des nains. Comme vous voyez, il y en a beaucoup. Vous pouvez continuer la liste quand vous chantez à la maison. Merci les amis. Alors, on vient de connaître les animaux, on vient de connaître l'alphabet. Alors, on va connaître les parties de notre corps. Oh, ça c'est bien aussi. Restez avec moi à la maison. Tête, poil, genou, orte, genou, orte, genou, orte. Tête, épaules, genoux, orteils, yeux, oreilles, bouche et nez. Prochaine chanson, c'est volley-volley, mais cette fois-ci, on va être actif. On va faire l'échauffement. Alors, volley-volley, volley-volley, vite, 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 volley-volley-volley. Volley-volley, volley-volley. Une fermière qui allait se venger. Elle portait sur sa tête trois pommes dans un panier. Les pommes faisaient roulis-roulin, les pommes faisaient roulis-roulin. Trois pas en avant, trois pas en arrière, trois pas sur le côté, trois pas de l'autre côté. Il était une fermière qui allait se venger. Elle portait sur sa tête trois pommes dans un panier. Les pommes faisaient roulis-roulin. Trois pas en avant, trois pas en arrière, trois pas sur le côté, trois pas de l'autre côté. Il était une fermière qui allait au marché. Elle portait sur sa tête trois pommes dans un panier. Les pommes faisaient roulis-roulin, les pommes faisaient roulis-roulin. Trois pas en avant, trois pas en arrière, trois pas sur le côté, trois pas de l'autre côté. Une fermière qui allait
trop ingénue. Elle portait sur sa tête, trop haut dans un panier. Les pommes faisaient roulis-roulin, les pommes faisaient roulis-roulin. Trois pas en avant, trois pas en arrière, trois pas sur le côté, trois pas de l'autre côté. Il était une fermière qui avait trop mangé. Elle portait sur sa tête, trois pommes dans un panier. Les pommes faisaient roulis-roulin, les pommes faisaient roulis-roulin. Trois pas en avant, trois pas en arrière, trois pas sur le côté, trois pas de l'autre côté. Une fermière qui allait trop marcher, mon gars. Elle portait sur sa tête, quoi. Trois pommes dans un panier. Les pommes faisaient roulis-roulin. Les pommes faisaient roulis-roulin. Trois pas en avant, trois pas en arrière. Trois pas sur le côté, trois pas de l'autre côté. Trois pas en avant, trois pas en arrière. Trois pas sur le côté, trois pas de l'autre côté. Chanter quelques chansons, bouger, parce qu'on a besoin de ça. Alors, c'est le
dire au revoir. Au revoir, mes amis. Au revoir. Au revoir, mes amis. Au revoir, mes amis. Au revoir, mes amis. Au revoir. À la prochaine. Merci. Petit livre, ouvre-toi, ouvre-toi, raconte une histoire. Ouvre-toi, ouvre-toi, raconte une histoire, raconte une histoire, que c'est bon. Chesta, placez mon coup de cœur ici. Petit livre, ouvre-toi, ouvre-toi, raconte. Petit livre, ouvre-toi, ouvre-toi, raconte une histoire, raconte une histoire, que c'est bon. Bonjour, je m'appelle Mélanie Watt. J'essaie d'écrire et d'illustrer cette histoire de souris, mais Chester n'arrête pas de s'en mêler. Oh, heureusement, maintenant, le sujet est plus intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Chester n'arrête pas de barbouiller et de réécrire mon histoire avec son espèce de marqueur rouge. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour corriger son comportement inacceptable avant qu'il écrive le livre à ma place? Bonne chance, ma 100 watts. Comme vous pouvez la constater, Jest est non seulement égocentrique, mais aussi très impoli. Cette boule de poils tient toujours à avoir le dernier mot. Pas vrai. Vous voyez? Voyez quoi? Je vous l'avais bien dit. Tant pis. Chers lecteurs et lectrices, je vous prie. Comme vous voyez en rouge, c'est Chester qui parle. Mélanie, chers lecteurs et lectrices, je vous prie d'excuser Chester. Son comportement est tout à fait inacceptable et empêche d'écrire mon histoire et mon histoire de souris. Désolée pour tout ennui que cela pourrait causer. Amitié Mélanie Watt. Bla bla bla. Pour Chester, à qui je dois tout le succès de ce livre, c'est le chat le plus beau et le plus intelligent du monde. Il est mon héros. Chester, pas écrit et illustré par Mélanie Ward. Il était une fois une souris. Elle habitait une jolie maison à la campagne. Puis la sorcellerie décida de partir en voyage très 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 loin. Donc, Chester s'installa dans sa nouvelle demeure et y fit quelques changements. Oh mes rideaux! Vive Chester! Fauté de Chester! Mais bientôt la souris rentre à la maison. Oups! Ai-je mentionné qu'elle avait rapporté un énorme souvenir aux dents pointues? Mes rideaux, vive Chester! Revenons à l'histoire. Il était une fois une souris, elle habitait. Chester, dégage! Elle habitait une jolie maison à la campagne avec un chien végétarien qui ne mangeait que des carottes. Puis, Mélanie supplia Chester d'écrire une meilleure histoire et ça commence comme ceci. Génial, Chester va écrire son histoire. Il était une fois, moi, Chester, signifie charmant, habile dans tout, envié par souris, super intelligent, très beau, envié par Mélanie, roi de la beauté.
Chester habitait un royaume où les souris n'étaient pas admises. C'était une belle journée. Eh bien, qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, il était une fois une souris. Elle habitait une jolie maison à la campagne. Elle vécut heureuse jusqu'à la fin de temps. La fin. Oh, pour qu'il se prend. Chester, c'est ici que ça termine? Je tire un trait? Non, c'est moi qui tire un trait ici. Ne traversez pas cette ligne. Gare à vous, territoire de Chester. Chester, ça suffit? Donne-moi ce marqueur tout de suite. Chester est trop occupé. Bonjour, je suis Mélanie Watt et je suis très fâchée. Salut, je suis ennuyante et jalouse de Chester. Chester, c'est mon dernier avertissement. Donne-moi ce marqueur et excuse-toi, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. La, 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 la. Mélanie. Parfait, Chester. Tu veux ta propre histoire? Tu veux être la vedette du livre? Alors, prépare-toi. Ça commence. Enfin. Il était une fois un chat nommé Chester. Il habitait une jolie maison à la campagne. Chester était le plus beau de tous les chats, surtout lorsqu'il était vêtu de magnifiques... Chester, tu n'oserais pas. Des magnifiques toutous. Ça va te coûter cher? La fin. Petit livre, fermez-toi. Merci pour l'histoire. Petit livre, fermez-toi. Merci pour l'histoire. Petit livre, fermez-toi. Merci pour l'histoire. Okay.